Donc, je ne t'entends plus, c'est normal. Je suis là. Je suis là, je suis là. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue sur le live du championnat GT3 DPI, manche 2, on reprend. Ça fait 3 semaines, hein, je crois. Ouais, ça fait un petit bout de temps déjà. Ça fait un petit moment, on a eu une petite interruption à cause de l'endurance de la course de samedi, nos 6 heures. Donc là, on retourne sur notre championnat GT3 DPI. Et ce soir, donc, on est à Austin. Là, les pilotes sont en briefing pour l'instant. On devrait bientôt commencer les qualifs. On a 35 pilotes. Et puis on va essayer de se remettre un peu en tête ce qui s'était passé sur la précédente manche. Ah oui, c'était Portimao. Portimao en... Voilà, et c'est David Duglocchetti qui avait gagné, qui avait remporté cette première manche. Lionel était deuxième, Nicolas Villandecout troisième, et puis en GT3, Bendix, Graeme Kriis et Mikael Sacco. Donc on va voir ce que ces pilotes vont nous faire ce soir. On va aller en piste. Tout le monde est en briefing. Voilà. Pour une fois, on est en avance. On est prêt au starting block. Voilà, voilà. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui arrivent. Je vais en profiter pour vous remercier encore pour votre soutien, votre présence samedi soir, l'occasion de cette course de 6 heures. On arrive pratiquement aux 1000 vues. Ce qui est quand même une belle performance hein, pour ce live. Hein. Sérieux. C'était top, il manquait que Mini Bolide. Ah ouais. Ouais, on était en train de faire la foire. Était en train de faire la fête. Salut Etrig. Bah, ce sera pour la prochaine fois. Au Dome Comedy Club. Ouais. À Paris, sympa. C'est sympa. Cool. Salut Etrig 77. Bienvenue voilà. À toi. Ouais. Etrig qui était là. Était là samedi. Lui au moins. lui il était là, lui. On a que. Quitté la course. Ah, on a que Fred Achan en piste pour l'instant. Comment je vais faire? Je suis mal organisé ce soir. Est-ce que je peux afficher Il me semble que j'avais préparé un truc dans ce sens. Essayez. Ah non, ça fonctionne pas. On va essayer un truc. Désolé pour l'écran noir. Je voudrais vous montrer. On va essayer de faire ça. Hop. Ah, c'est pas exactement ce que je voulais faire. En plus, on va ajouter une source. Hop, pour vous que vous voyez les résultats de Portimao. Ça pourrait être pas mal. Voilà, on va faire un truc comme ça. Hop, comme ça. Ah, sauf que. Je l'avais pas préparé avant, désolé. Voilà.
Ah, sauf qu'on peut pas. Ok, on peut pas faire mieux que ça. Non, je crois que ça va pas beaucoup nous aider. Ok, bon, ça veut pas. Ouais, bah. Désolé, on va. On trouvera une autre solution pour la prochaine fois. C'est pas grave. Lionel aussi en piste, donc qui était la P2, hein. Il y a eu un petit freeze, donc ça doit être... c'est Mathieu Maxima, tu disais, Minibolic, ouais, il a dû re-rentrer, je pense. Ouais, voilà, 35, on a le bon nombre de pilotes. Là, on est avec Lionel. Lionel qui avait donc fait la P2 sur Portimao. Alors, on va découvrir le Austin. Quand même. Ça tremblote cette DPI là. Oui, un petit peu, ouais. Virage très serré, hein, Tostin. Lionel, il est en soft. Salut à tous. Salut. Voilà, donc ce soir on est un peu en avance, on est toujours en practice, les pilotes sont en briefing, on a que deux pilotes en piste, donc on profite un petit peu. Non, même pas, on a plus que d'ailleurs plus que Lionel en piste, qui rentre d'ailleurs. L'entrée au stand a l'air compliquée, hein, c'est ce que Dams et Greenfield disaient tout à l'heure, ça a l'air très très chaud pour rentrer au stand. Donc ça va nous donner du spectacle, ça encore. Il est là, oui, il est là, Jbrunz, donc. Jbrunz, et puis il y a Yannick aussi, hein, je crois, quelquefois, qui a des petits soucis pour entrer au pit. Voilà. J'ai vu Yannick ce soir, okay. Si, Yannick, il est là. Gabi, bonsoir. Salut Gabi. Bon, on va vous montrer les voitures. Mathieu Maxima. On voit celle de Kevin derrière, aux couleurs de la chaîne. Ah, David, il est caché derrière le mur. Hop là, voilà. La belle DPI noire, David du Glecocci. Vainqueur de Portimao. Ouais, pilote très régulier. Pilote étranger. Oui, qui est polonais, il me semble. Théo Badry. Lionel, même livrée, hein, celle des GR, Gentleman Racer, Nicolas Villanco, Kevin donc, Enofra FCR, Guillaume Ziegler, très belle aussi cette voiture, un autre Guillaume Chauchois. Et on a aussi déjà le Marc. Voilà, pour on a donc 10... ouais, c'est assez là, ils essaient de se reproduire, hein. On assiste à ça de temps en temps. ouais. Donc on a 10 DPI, après en GTE. Hop là, c'est un peu serré comme cadrage. Celtil. Bendix. En Bentley, Evrard, Corvette Calloway, Grim Chris, il est caché aussi. Hop, Grim Chris également, comme Kevin, aux couleurs de la team et de la chaîne. Nassim Alaoui, Rodrigue Castar, on va faire des. Voilà, hop, Bentley. Samir Ashrad, décidément. Voilà. Michael Sacco. Guy, ouais, il y a de très belles livrées. Notamment celle-ci.
Predash. Allez, bonne qualif à tous, on passe en qualif. Faites attention au feu rouge. Voilà, le petit conseil du chef. Babeille. On a aussi Grut. Mercedes, le Team Fast. Playboy. Playboy, ça c'est la team SR. Ah, Playboy, il est... Oula, calme-toi la caméra. Playboy, on ne sait pas où il est. Ouais, ça a bugué là. Ah. Ah, c'est le changement de... C'est parce qu'on est passé en qualif. Ouais, changement de session. Bon, j'aurais bien voulu vous montrer quand même. Synchro du serveur. Ah. Revenez les voitures. Sinon, moi, c'est bon, je les vois. Sinon, on va s'ennuyer. Ah, alors, faut que je sorte, non? Je sais que ça... Non. Alors, j'ai les DPI. Ah, ça y est, je pense que c'est revenu. Alors, on va essayer de, quand même de terminer le tour de nos... De voitures, quand même. Ah, voilà, c'est juste parce que ma caméra s'était barrée, en fait. Donc, Playboy, de la SR, également de la SR. On a Elwood. Bon, Elwood, c'est la même livrée, normalement. Pareil, je sais pas pourquoi. Ça, c'est quand même très étonnant que j'ai les voitures qui disparaissent. On va revenir dessus. On a Intrépide, la Team LSF. Monlou, autre pilote FCR. Monlou qui a eu la chance, qui était là samedi pour les 6h et vraiment il a pas eu de problème de connexion. Ce qui était. Bah voilà. Donc j'espère que ça va être le cas pour ce soir. Il a peut-être trouvé une solution, hein, régler son problème. Bah écoute. Oui. Ton schmack, c'est sa voiture en contreplaqué. Ikea, ouais. Marc. Véran, les zinzins du bitume. On a également Pop. Ah oui, j'avais jamais remarqué que les ébides. Yannick Lampuré. Mercedes. Bonux 72, la Team Fast. Dams. Oh, je sais pas trop. Voilà. Ricardo Riva, Ash Bruns, non Ricardo Riva. Ricardo Riva, c'est un. Il est nouveau ou pas dans le. Non, ça me dit rien. Il était là à la dernière course. On va te dire ça tout de suite. Non, effectivement. Non, tu as raison, oui. Ouais, il vient de rentrer sur le championnat. On parlait de Monlou à l'instant qui vient de quitter le... Ah bah, on lui a porté la poisse alors. Merde. Jbruns, donc, qui a également la livrée ASRT, mais en rouge cette fois. Et puis enfin, et le dernier. Michael Kull. Voilà. Le célèbre Michael Kull. Le célèbre Michael Kull. Eh ben c'est parti pour les qualifs, on va attendre les premiers temps. Donc 15 minutes de qualif. Premiers secteurs sont allumés. Salut Cisoft. Bienvenue. Montage pour l'instant à Dawid. Et deuxième secteur les mieux. Alors il est toujours mieux partout, hein, Dawid. Voilà, c'est ça. En général. Ouais. Salut Patoche. Nicolas Vilanco qui a le deuxième meilleur secteur. Nicolas Vilanco, ouais, tout à fait. Ouais. Donc tout le monde est bien et en soft aujourd'hui, ouais. Ça y est, premier chrono. Et alors on a Grim Chris qui est le mieux sur le deuxième secteur aussi en GT3. Et les premiers chronos, donc sans surprise, hein, Dawid. Ouais, Dawid.
Nicolas Villanco, Mathieu, Maximin, Théo Badry, Kevin Ledoux. Mais attention, on a encore Lionel qui... Il n'y a pas... Ah, si, ça y est, Lionel vient de signer un premier temps. Et il a la piste. Même s'il a avoué ne pas avoir beaucoup roulé, donc... Oui, oui, bon, hein. Ouais, on connaît, on le connaît, hein, on connaît ouais, oui, on le connaît, Lionel. Hein. Donc, salut, c'est ça. Ah, le supporter de la Team Fast. La Team Fast. 1.51.474 pour Dawid, 1.53.223 pour Nicolas Villanco. On a quand même un gap d'une seconde 7 entre le premier, la première et la deuxième des pays. Mais bon, c'était déjà comme ça hein, sur Portimao. On va mettre à part un peu Dawid, tiens, qui améliore encore le deuxième secteur là. Et en GT3, c'est Grim Chris. C'est Grim Chris qui a fait un 2.03. 2.03 610 et juste derrière à 7 dixièmes c'est Bendix. Bendix qui a Evrard à 1 dixième derrière lui, ce qui est rien. Ouais. Ah bah c'est passé à 2 secondes maintenant entre Dawid et... Ah ouais. Kevin a pris la P2. Ah Kevin qui prend la P2, oui. 1 seconde 4 Kevin derrière Dawid. Une 50. C'est Nicolas qui a repris. Oui, Nicolas, il suffit de le dire, Nicolas qui reprend, Kevin a 1 dixième derrière. C'est chaud là, il qualifie là. Ah ouais, ça commence à... Ça commence à s'exciter un petit peu. Ça bouge moins en GT3. Ouais, On a des écarts extrêmement faibles en GT3 entre Mikel Sacco, Samir Ashrad, Guy, un dixième, après on a, ça se compte en millième ou en centième, ça va jusqu'à Intrépide, ou même voire plus loin, hein, Playboy, Grut, oh là là, oui, là, toutes les GT3 elles sont vraiment dans un mouchoir, hein. C'est les très très serrés les temps. Qui est à 46 millièmes là de 46 millièmes de Grim Chris. Ah, est-ce qu'on va avoir une course ça promet une course intéressante, ça. Alors, ouais. C'est moins serré en DPI, ouais. Hein. Ouais. À part entre Kevin et Nicolas Villanco, entre Lionel et Mathieu Maximin aussi, hein. C'est quand même Oui. Tu seras 2 secondes tous les deux. Il reste 7 minutes, donc c'est pas terminé. On est qu'à la moitié hein, de la séance de qualification. Oh, petite sortie pour Playboy. Ah, Dawid, voilà. Hop, il est rentré au pit. Gros son hein, des pays là. On est avec Nicolas Villanco. Lionel qui prend la P2 à 1 seconde 2 de Dawid. Ah, tu vois Lionel, je me suis pas préparé, j'ai pas tourné. Je vais avoir du mal. J'ai pas de setup. Nanani nanana. Comme d'hab. Et même. Donc Nicolas, ça le pousse à la P3, ça, mais il est qu'à 2 dixièmes hein, de Lionel, Nicolas Villanco. Et juste derrière Kevin. Il est au pit, Kevin, ouais. Ah, ça s'est resserré un peu, hein. Regarde derrière Mathieu Maximin,
4-10e, 5-10e, Théo Badry. Théo Badry, c'est un peu plus étonnant de le voir à la P6, ouais, Théo. Ouais, ouais. D'habitude, il est plus haut dans le classement. Je vois mon lourd d'affiché, ouais. Ah, on... Mon lourd vient de revenir. D'accord, je vois que 34 voitures, par contre. Je pense qu'on a... combien tout à l'heure ? 35, donc je pense qu'on a perdu une GT3, en fait. Alors qui ? Je suis incapable de vous le dire. C'est Dams qui aurait quitté la course, alors. Oui, c'est Dams qui a quitté... Dans le... Oui, Dams, ouais, effectivement. Alors, est-ce qu'il a, il a peut-être un problème. Il avait un petit souci de VR, je crois, tout à l'heure. Il arrivait pas à activer la VR ou la démarrer, je sais pas. Ça avait l'air de merder un peu. Hans nous fait un setup assez bizarre au niveau des pneus. Il est en médium à l'avant et pluie à l'arrière. D'accord. C'est une... pourquoi pas façon de voir les choses. Là, on a Evrard qui a amélioré son deuxième secteur, là. Et Bendix qui a pris le... la pole sur Greenpeace. Mais 0-3-2, oui, tout à fait. Ouais, ouais, absolument. Mais il met 3 dixièmes là à Greenpeace. Alors, Nassim et Samir se sont intercalés juste derrière Evra en 3 et 4. Ouais. Enfin, en 4 et 5. Hein. Et c'est oui, son meilleur temps, Nassim là. 2-0-3. On va rester un petit peu avec Green Chris. Salut Grut, merci de passer sur le live. Ah, voilà, freeze. Ça c'est, voilà, 35. Donc voilà, Dame, ça dure re-rentrer. Eh ben, bonne course à toi, Grut. Ça a du freinage. Freinage 2-0-5-900-4. Un virage à l'aveugle là. Ça pour prendre la corde, c'est compliqué. Ouais, bah merci de la nouvelle interface, hein, je pense. Ouais. Tu les avais pas avant, ces freeze? Moi, non, j'en ai pas, mais. Ah non, mais je. Ouais, on parlait à Groot, ouais. Ouais. Bon, moi, le problème, évidemment, il est. Il était différent puisque c'était lié à l'overlay que j'affichais en jeu, donc j'ai trouvé la solution pour l'afficher non pas sur le jeu mais uniquement sur le stream, donc ça a réglé le souci, mais évidemment dans ton cas, à moins que tu affiches peut-être un HUD trop complexe ou trop complet peut-être, je sais pas, hein, je dis ça, je dirais peut-être regarder de ce côté là s'il n'y a pas un problème un peu similaire. Nicolas Villanco là qui s'est intercalé entre David et Lionel là. Ça se rapproche, P2, ouais. Alors je voudrais rester un petit peu. Ouais, alors Grim il a amélioré le premier secteur, pas le deuxième. On va voir ce que ça donne. Ça va être suffisant pour remonter sur Bendix. Bendix qui lui est en train d'améliorer encore. En tout cas, ces deux premiers secteurs. D'accord. Ah ouais, c'est étonnant. Elle marche bien, cette Bentley. Hein. Oui. Alors, Grim n'a pas amélioré
Il va donc, je pense, il garder la P2 puisque ouais. Là, on termine. Bendix, lui, il a amélioré les deux premiers secteurs. On va voir ce que ça donne sur le troisième. Boom, 2,02,723. Et là, il met 8 dixièmes, pratiquement 9 dixièmes à Grim Chris. Hein. Donc là, Bendix. Ouais, j'étais sur son HUD, ouais, il passait la ligne 5 dixièmes de mieux hein, sur ouais, son ouais. Dernier. Ça va être Bendix très à l'aise sur Austin. Parfait, et donc on voyait. En général. Ouais, ça déboîte, ouais, comme tu dis, ouais, c'est clair. Ah, tout le monde rentre. On a encore Lionel qui est en piste pour ce qui est des DPI. Ah, la Bendix, il s'est bien éclaté là. Ouais, il reste quelques pilotes. Lionel en piste encore. Et que les GT3. On va voir si Lionel l'améliore lui aussi. J'ai sur le. Ouais, HUD, il a 5 dixièmes d'avance pour l'instant sur son croix. Ah ouais, donc ce qui potentiellement pourrait lui donner la. Ah ouais non, il y a une. Si ça pourrait lui donner la P2. Ouais. Ah oui, largement. Hein. Largement. Ouais, 6 dixièmes là, quasiment. 5 dixièmes là. Il a amélioré les deux premiers secteurs. Voilà, 5 dixièmes. Bim. Et voilà, il prend la P2 et ça le rapproche à 8 dixièmes de Dawid. Ouais. Donc là, ça va relancer, ça va redonner un peu d'intérêt à ce trio de tête là. Allez, les qualifs sont terminés. On va passer en course. Je ne sais plus si on a un warm-up ou pas. Je pense que oui, comme d'habitude. Il y en avait un, oui, non. À Portimao. Là, on est avec Celtil qui finit son tour. Il y a Monlou. Ouais, on a encore. Voilà, c'est fini. Et puis, on a encore Monlou en piste. Voilà. Monlou qui a fait un seul tour, 4 tours. Okay. Qui se place 21e. 31e au classement général. Hop. Le public est très, très dispersé, hein, Austin. Pas grand monde. Ouais, mais c'est Covid, ça. Hein. C'est l'effet Covid. Ils ont pas de masque, hein, t'as vu. Hein. Ouais, bah non, ça c'est. Par contre, monsieur. Ils sont extérieurs, ils ont droit. Monsieur, vous pouvez baisser les bras là, par contre, parce que je fatigue pour lui là. Quand même. Allez, petit changement d'état. Ils sont regroupés. Oui, ils sont regroupés par famille. C'est ça. Ah, vous réaffichez, vous remettez la petite affiche du jour. Deuxième manche, donc voilà, on va partir pour 1h30 de course. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live, vous êtes les bienvenus. Alors, c'est toujours un peu longué. T'as couru déjà sur Austin, toi, Millibolit ? Me dis rien. Ça te dit rien? Ok. C'est vrai que c'est pas un circuit qu'on voit très souvent. Peut-être, mais non. Pas comme ça, je crois pas. Mais... Alors, on a un warm-up. Ouais, on le voit pas très souvent. Même. Petit warm-up de 5 minutes. Tant mieux, c'est bien, parce que comme ça, ça change. Oui. Classique. Alors attention, on voulait un petit peu. Oui. Ouais. Pas prendre le feu rouge, sinon. Allez, c'est parti, la Bentley. Qui paraît toujours tellement énorme par rapport aux autres, c'est. Ouais, c'est fou.
pareil, elle est impressionnante. Mais comment ça peut rouler aussi vite, un paquebot pareil? Ouais, ouais, c'est un parpaing un peu. Hein. Niveau aéro, ouais, c'est pas le c'est pas le top normalement, mais elle est quand même sacrément efficace. Oui, oui, c'est clair. Très impressionnante hein, quand tu l'as. Qu'il l'essaye en vrai, ils disent qu'elle est vraiment bien équilibrée, tu vois, au niveau des. Ouais. Il était à prendre en main en fait. C'est une belle bagnole quand même. Hein. Mmh. Ouh, il tremblote le. Ah, le pilote, il est concentré. Hein. C'est un sourire, Bendix. Ouais, ouais, il est filmé. Au niveau météo, ça nous dit quoi? Ça a l'air un peu grisou, hein? Bah ouais, moi j'ai toujours le logo de la pluie. Bon, il y a 0% d'humidité, ouais. Mais j'ai pas de. Voilà, ouais, c'est nuageux, je pense. Hein. Salut, DJ Ruby. Ah, un autre. Supporter de la Fast Team. Jérémy qui était avec nous aussi un samedi. Ah, ça retourne déjà au pit. Ah, pas mal de pilotes ont fait le choix de médium. Ouais. Médium à l'avant et il y a Grim Chris qui est en full médium. Bendix aussi. Je crois qu'on va vraiment surveiller les entrées au pit, hein, parce que là, tu vois, ouais, je pense, hein, c'est ça. C'était déjà. C'est impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc beaucoup de pilotes en médium. C'est vrai, Ruby, toujours présent, fidèle à la chaîne. Merci à toi. Bon, on n'a pas parlé de vitesse max pour l'instant, mais on en parlera pendant la course. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que Dawid avait au moins 5 km/h de Vmax en plus que Lionel. Quoi. D'accord. À voir en course, à surveiller. Si on se met, ce qu'on peut avoir une petite idée là en se mettant avec Lionel justement. Et toutes les DPI partiront en soft. Donc soft pour les DPI et médium. Ah si, il n'y a que les naufrages, dis des bêtises, il n'y a que les naufrages qui fait médium. D'accord. Médium soft à l'avant, comme d'habitude. On ne saura pas. Oh là, tu vois, regarde, bim, l'entrée au stand de la Lionel. Le poteau. Je crois que là. On va voir. Ça a l'air d'être vraiment compliqué. Hein. Oui, ça a l'air d'être complexe. Et tu vois, le problème des DPI, c'est que si tu freines trop tard sur l'angle. Ouais. Voilà ce qui se passe, hein. Ça t'emmène directement dans le mur. Mur, ouais. Et le warm-up se termine. Oui.
Ensuite. Autre Bentley, celle de la SR, Playboy. Ouais, belle livrée aussi, hein, comme on avait vu. Pour les autres courses. À l'américaine. C'est ouais. Car un peu. Iki Moli. Ouais, c'est vrai, c'est ça, c'est la couleur de. Ikimori. Oui. Bon bah je pense que ça va réserver. Je pense qu'on va avoir une belle course hein, en tout cas au vu des. Bon, c'est vrai que les qualifs sont pas toujours représentatifs de. De la course, mais là, vu les temps avec des gaps extrêmement faibles qu'on a eu, je pense que. On va, en tout cas, je pense qu'on devrait avoir un beau début de course. Et on va attendre que tout le monde. Aille. De l'arrière de la course. Bonne course à tous! Les pilotes ont 2 minutes 40 pour mettre leur setup. Ouais, ne rien oublier, le plein. Le fuel. Les arrêts au stand. Changement de pneus, combien de litres d'essence. On va voir tout ça, stratégiste. Mmh. Voitures sur ce circuit qui fait de mémoire 5,4 km je crois. Austin, qu'on appelle aussi. Bendix et Grim, vous pensez à laisser un peu d'espace hein, derrière Enofra et Jean Lemarque. On appelle aussi le circuit des Amériques. Ah. Et faites attention au premier virage, il vous reste 90 secondes avant de vous mettre sur la grille. Pensez à votre essence. Fermeture des portes dans 2 minutes. Test de la porte passager. Vérification du parachute. Il éteint vos cigarettes. Ah, c'est ça. Ouais. Circuit des Amériques, ouais, c'est un circuit qui est au Texas et qui accueille le Grand Prix de F1 depuis 2012 et qui existe depuis 2012. Donc c'est un circuit très récent. 20 virages. Et c'est ça, oui, 5472 mètres. Pas précis, c'est important. Donc voilà, c'est pourquoi ouais, ce circuit, on le pratiquait, on le voit pas souvent. Oui. Il est vraiment, il a 10 ans, à peine. Monsieur David, vous êtes demandé sur la grille de départ. Mais oui, quelques pilotes qui sont encore au pit là. Oui, il reste 25 secondes. Ah, ça y est, David. Lionel. David et Nicolas, Kevin. On a également. Il y a toujours Lionel qui se fait attendre. On va se mettre en vue. Intrépide, Opit, Maximin. Ah. Ça y est, donc on a toutes les DPI. Toutes les DPI sont en piste. Il nous manque 3 GT. Moulou, Dams et Yannick. C'est parti. Allez, départ. Pensez à votre limiteur. Alors lancé, on rappelle, avec un petit gap entre voilà. Les DPI et les GD3, histoire de pas se cracher le virage. Tout le monde au pit limiteur. Garder une vitesse constante. Exactement. On a toujours Yannick au pit.
Ah, moi je le vois en piste pourtant, mais. Bon, moi il est marqué pit, mais. D'accord. Non, j'ai bien tout le monde sur la piste. D'accord, ok. GT3, je vois pas de. Pas d'absent. GT3, les voilà. Oh, c'est pas bien rangé tout ça, messieurs. Pas sur ACC là. Alors, tiens, c'est curieux, il y a Dawid qui est parti en médium. Comme la dernière fois, je crois, il me semble, non ? Alors, il nous avait fait ça la dernière fois, effectivement. Il avait changé. Il avait changé en cours de course, ouais. Et Jalemark aussi. D'accord. Et puis donc, ciel, ouais, c'est couvert. Hein. Donc, C'est couvert, ouais, je vois des. Ouais, c'est... Le logo, c'est un nuage avec des gouttes, mais bon. Il n'y aura pas de pluie, je pense, mais. Donc avec le live timing, on peut se rendre compte que certains pilotes n'utilisent pas le pit limiter. Hein. D'accord, ouais, ils se... Et Groot qui est à 93, Ricardo à 107. Ah. Yeah. Partir, je pense. À 60 fps. À 5 km 4, 80 km/h. Ouais, c'est long, hein. C'est long. Hendrix qui a laissé une. Un espace, hein. Oui, c'est la consigne. On va faire comme d'habitude, hein, on va regarder le jusqu'au premier virage les DPI, puis ensuite on zappera sur les GT3. De toute façon, moi je regarde les GT3 si je vois quelque ouais, chose. Tu... S'il se passe un truc, je me suis préparé à zapper sur Bendix. Et on va partir pour 1h30. En fait. Juste derrière Green Chris, elle est fesse. Hein. Va les entendre le petit V8. Et messieurs, tout le monde en rang. Allez, ça part. Pas trop en GT, hein. C'est un peu. Aléatoire tout ça. Allez, ça y est, ça se replace. 3, 2, 1, start. Allez, c'est parti. Les GT3 sont dans l'épingle, ça va être compliqué. Premier virage propre pour les. C'est propre pour les DPI, pas de soucis, on va très vite zapper sur les GT3 à même endroit. Ah, pas trop de. Ouais. Ça semble bien se passer aussi pour les GT3. Si on monte un peu dans le classement, aller un petit peu plus loin. Capsaco. Bon, apparemment, ça a l'air de bien se passer pour tout le monde. Donc pas de soucis particuliers. On a déjà Théo Badry qui est. Ah, dans le pare-choc de Kevin. Allez, on va aller voir ça de plus près. On a ça, et puis derrière on a encore les GT3 qui sont en paquet. Donc, alors que tu vois Lionel, enfin Dawid met déjà deux secondes à Lionel, ah c'est bah, incroyable. Vois, ouais. On a même pas fait un tour et déjà Dawid s'est envolé.
Là, on a avec Lionel qui a juste derrière à 7 dixièmes Nicolas Villanco. Et puis derrière, on a deux voitures également, roue dans roue, Kevin et Théo. Impressionnant quoi, 3 secondes 2 déjà. 3 secondes, ouais, c'est incroyable. Pourtant, Lionel, c'est quand même un sacré pilote, hein, ouais, ouais. Déjà. Nicolas Villanco. Lionel, il doit pas avoir spécialement de setup ce soir. Je pense qu'il a pris un. C'est un peu universel, mais bon, quand même. Bon, si on met, il fait quand même le meilleur tour. Hein, si on met à part, oui. On met à part David. Oui, c'est clair. Il fait quand même le meilleur tour. Hein. Toujours. Et Bendix aussi a pris le large déjà. Alors, on va aller voir un peu. Ouais, si les GT3, Bendix a pris le large 2 secondes 6 sur Graeme Criss. Graeme Criss qui est en bagarre là avec Nassim Alaoui. Ah oui, c'est même. Oh, la Nassim, touchette, la ouais. Touchette, ouais. Et il s'est bah sorti. Oui. Tout seul. Tout seul, comme un tout seul. C'est la spi, ça, qui l'a. Voilà, du coup, Nassim, on le voit là, le retour en piste. Attention. Ça va être compliqué, hein, parce que. Ouais. Bon, il reste bien à l'extérieur. Attention là. Voilà, la reprise. Il repart à la. P13. On a Rodrigue Castard qui est sur Intrépide. Encore une Bentley, hein. Les Bentleys sont bien, bien agressives là sur ce début de course. Ouais. Voiture particulièrement adaptée avec le Austin, ouais. Derrière, on a aussi un autre duel, Ricardo Riva et Michael Sacco. Ricardo Riva qui vient de passer Michael Sacco. Aston, monsieur Ricardo. Oula, il y a eu un. Ouais. Oui, il vient de réapparaître là, je pense. Ouais, que il y a eu un y a problème de ping, ouais. Ricardo Riva, il est réapparu derrière Michael Sacco et. C'est surtout pas bon pour Elwood et Playboy derrière. Tiens, on va aller avec les deux pilotes SR là qui roulent ensemble. Joli à voir d'ailleurs. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live de cette manche 2 de notre championnat GT3 DPI. On est à Austin. Et on vient de commencer la course depuis 5 minutes. David a déjà mis 5 secondes. Allez, merci. Alors derrière, on a un gros paquet aussi de 6-7 voitures là. Bonux, Marc Véran, Tonchmax, Babey, Fred H, Michael Kulch, Bruns. Il est clair que là, c'est pas un circuit, enfin, c'est pas facile de faire la différence. Non, c'est pas que le chrono. Hein. C'est pas dans ce secteur notamment. Attention. Là, ah bah, j'ai eu le syndrome du pied qui appuie sur le frein. À fond. J'ai freiné pour lui, tu sais. Fred, pas de frein. Ça marche moyennement bien, hein, je t'avoue. Ouais, je t'avoue. Tu peux essayer, mais ça va pas être très efficace. Michael, il est présent sur Bruns. Alors, Bruns, c'est Michael Kull, oui, qui a aussi devant lui Playboy. Playboy qui vient de passer Nassim Alaoui. Juste à l'instant. Ah non, hop, ça s'est refait dans l'autre sens. Ouais, il sera fait facile. Ouais. On va plutôt aller sur les deux, là. Playboy, et il nous donne du boulot, les gars, là. On peut pas tout suivre. Hein. Compliqué, hein. Evrard aussi qui est collé au basque de Graeme Criss à la faille.
Evrard. Alors je sais jamais son prénom, c'est Arnaud je crois, je suis pas sûr. Ouais, je vais pas te dire de bêtises. Hein. Moins à l'aise, Greencrest, on dirait, hein, cette fois là. Il gère, je pense. Je pense. Après, on sait que c'est un malin aussi. Mais bon, il est ouais, 4 secondes, 5 secondes pratiquement, Bendix hein, devant. Ah, lui, c'est Nicolas Villanco qui vient de doubler Lionel là. On va aller voir ouais, les DPI. Ouais, c'est chaud là entre les deux, là, Lionel et Nicolas. Voilà qui est un peu en glisse. Ouais, attention. L'affaire de Kevin est pour voler. Alors on va essayer de s'en remettre. Et David s'envole déjà à plus de 8 secondes. Incroyable. David, oui, c'est vraiment. Non, mais on l'écarte des championnats. C'est. Va falloir lui trouver un concurrent à la hauteur parce que. Ah sinon il va s'en aller. Hein. Il va s'ennuyer. Il va s'ennuyer David. Il va changer de team. On voit la DPI, la voiture bleue de Kevin là qui lâche rien derrière non plus derrière Lionel. Hein. Il attend. Ouais, il est bien dans le rythme de Lionel. Il y a une seconde maintenant entre Nicolas et Lionel. Une 53-613, le meilleur tour en course de David. Déjà le marque là qui sort du bac. Ouais. Ah, déjà le marque, ouais, donc déjà le marque c'est la dernière DPI. En difficulté. Et du coup il se retrouve à 19 secondes des Lionel et Kevin. Et doublé là pour Kevin, je pense que Lionel est un peu en délicatesse ou en gestion, je sais pas. On va retourner voir un peu en GT3, on a toujours Evrard et Grimm. Ah et puis il y a Dams qui a dû faire une erreur, il se retrouve bon dernier là. Ah Dams, ouais. Ouais. Dams, Yannick Celtil qui ferme la marche. Ah pop, ouais. On a aussi Fred Ash là et Michael Kull. Là, ça roule vraiment au paquet. Oula, je vois une DPI sur le bord de la piste. Ouais, c'est déjà le marque. Ouais. C'est déjà le marque. Ouais, voilà, oui, qui retombe dans le classement là. Est-ce qu'il aurait pris des. On ouais. Sur Elwood si tu veux. Salut Quentin. Putain, j'arrive et Dame, c'est aux fraises, lol. Ah oui. Bah ouais. Classique. C'est chaud en GT3 sur plusieurs là. Alors déjà le Marc il a dû prendre du dégât lui parce que. Ouais, il fait tout à l'extérieur là, je sais pas ce qu'il. Ouais. Ah oui, je pense que là ça va être un arrêt. Un arrêt au pit pour. Voilà. Ouais, ça a pas l'air de fonctionner très très bien. Allez, on va retourner sur notre paquet là de GT3, Tonchmax, Babey, Fred Ash, Michael Kutch, Bruns. Je pense que Groot a dépassé Mikel Sacco, mais je voudrais pas dire de bêtises. Oh,
Ouais, Groot et Michael Sacco. Ouais. Je pense que Monsieur Evrard, s'il continue comme ça, il va pas faire toute la course avec ses pneus, hein, parce que ça zigzague. Ah. Alors que Grim Chris est vraiment calme. Oui. Il reste sur sa trage. Evrard, il s'impatiente un peu. Bah en plus, Grim Chris, c'est pas quelqu'un qui est très sensible à la pression, je crois. Hein. Non, pas du tout. Il fait sa course. Tranquille. Ouais. Ouais, Théo Badry, c'est clairement pas à sa place. Hein. P6, là. P6, ouais, c'est un peu une contre-performance ouais, pour Théo. Ouais. Alors que je vois Mathieu Maximin qui demande le pit. Je sais pas pourquoi ça m'affiche ça. Ah, Mathieu. Un dick pit, alors est-ce qu'il a cliqué sur le. Ouais, pour faire déjà un arrêt, alors que. On n'est pas à 15 minutes encore, hein. Ouais, on est dans le premier. Jalomarque est bien au stand. Alors, Jalomarque est au stand, donc ça, c'est pas surprenant. Il a dû taper assez sérieusement. Tu vois, il est dans son garage, donc ça y est, Jalomarque quitte la course. Voilà, DNF pour Jalomarque. Ah oui, aussi qui va. Oulala, Marc Véran là qui se retrouve à l'envers carrément. Et il y a Dawid, je pense, qui va piter. Hein. Parce... Il est là, notre leader. Alors pour l'instant, non. Pas pour ce tour là, ouais. Ah, il y a Celtil qui vient de passer pop. C'est le jeu qui m'affiche sur la piste pour Nicolas aussi, c'est bizarre. Ouais, bon. Ce serait très étonnant qu'il s'arrête déjà, sauf problème, mais. Là où stratégie. Voilà, Celtil qui vient de prendre la P21 sur pop. Devant, on a toujours donc Evrard et Grim Chris qui ne se quittent plus. Non, ils se font des bisous, tout. Mmh. Nickel. La Corvette. Saint-Valentin est passé, c'est dommage, mais. Ah, je vois aussi derrière toujours 4 GT3, c'est le Tilt, ton Schmax Bonic 72, bye Fred H, tout ça là, c'est toujours en paquet, hein, plus ou moins. Là on a Celtil sur mon loup qui sort large. C'est pas passé malgré tout. Pas terminé pour les deux là. Hop, c'est le Tilt qui tente. De croiser, mais ah, s'il n'y avait pas eu la DPI là, je pense que ça se faisait. Hein. Et de devant, on a la même entre Babeille et Fred H, juste là. Et Michael Cole qui est dans le même paquet aussi là. Ouais. Au trio, puis en plus il y a les DPI qui pointent leur bout de leur nez. Hop, là on a une. Oui, ce soir il y a Groot qui est en perdition là depuis. Ouais. Oh là là, contact avec Babé, maman. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Groot là, Oui. Oh, contact entre Kevin et Bobby, oh là là. Bobby là, c'est pareil, attention, hein. Attention rétro. Ouais. Drapeau bleu. Franchement, qui va sûrement profiter. Ouais.
Ah, du coup, Kevin est passé devant Lionel aussi. Hein. Ouais. Donc, et Lionel Kevin. Est P4, hein. Ah oui, 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 oui. P4 pour Kevin. On a 4 secondes entre Nicolas Villanco et Kevin, et puis derrière 3 secondes entre Kevin et Lionel. Lionel, il roule avec Mathieu Maximin maintenant. Bon, ça reste en paquet, hein, tout ça. Mmh. Ça, c'est le tracé ouais, qui veut mieux, ça. Hein. Tant mieux pour l'instant. Ouais, Mathieu Maximin, là, il est gêné là par le trafic des GT3. Ça donne de l'air à Lionel qui est maintenant 2 secondes 3 devant. Il y a que 3 pilotes qui m'affichent pit, c'est marrant, hein. Je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est comme tu disais une demande d'arrêt et Ouais, une demande d'arrêt puis ils attendent mon portant pour Ah là, Nassim Alaoui sur Mikael Sacco. Ouais, Groot, ça y est, Groot en pro-pit. Groot au pit. Extérieur, on a un autre groupe avec Marc Véran, Pop et puis Monlou devant. Un petit peu plus loin. Faut forcer la main sur les GT, ouais. Théo. Ah ok, c'est pour ça, Quentin, ok. D'accord. Ok, attends pour moi. Je me rappelais pas que moi dans mon setup ça faisait ça, mais je vois Nassim toujours sur Mikael Sacco et devant on a Rodrigue Castard et Intrépide. Ah, on voit Kevin là, depuis Kevin qui. Oula, Kevin. Ah, et Quentin nous dit que ça peut être enlevé dans les options en fait, ça. D'accord. Donc okay. Peut-être que tout le monde n'est pas réglé pareil, quoi. Ce virage, il est très impressionnant. Là, on voit au dernier moment le point de corde, là, oui, on voit rien. Il faut vraiment bien connaître le circuit. Circuit, ouais. Autre qui t'annonce le nombre de viewers, c'est marrant. Oui, c'est un bot oui, que j'ai installé. Voilà, pas mal. Je suis surveillé. Ah, faut que je rende des comptes à Adams, hein, parce que sinon il paye pas après. Ouais, je comprends. Rapport et tout. Ouais. Bah oui. Bon ben, c'est pas simple pour les DPI, hein, j'ai l'impression. C'est pas facile, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire au même moment. Le gap, ouais, a pas l'air si. Là, on le voit, tiens, avec. Ouais, avec Lionel là. Lionel et Intrépide, justement. Voilà, on est avec Intrépide. Tu vois. Oui, Kevin a la même chose là. Et, ok, derrière Samir. Ouais, ça fait un. Donc notre paquet de 3, Castard, Mikael Sacco et Nassim derrière.
On a assez peu de changements de classement pour l'instant. Hein. Ouais, pour l'instant, c'est calme. Non, non, ça va pas être facile. Hein. Ça va rester en paquet, je pense, comme ça. Et, ouais. Tant mieux. Hein, parce que, ouais, ouais. Si on peut avoir cette phase neutre, là, on arrive bientôt à. Ah, bientôt la première demi-heure, ouais, bientôt, ouais. Ouais. Déjà. Ah, on va remonter sur Mathieu Maximin que je vois à 4 dixièmes là de Lionel. Mat Max. Ouais, et c'est mieux sorti du trafic, j'ai l'impression. Bah, je pense que pour les DPI, cette course elle est surtout oui, liée au. La position de la voiture par rapport au GT3 finalement, si t'es gêné ou si tu ne l'es pas. De position là, il y a Grim Chris qui... Qui vient se faire passer par Evrard, attends c'est pas fait, oh, il a touché contact. Grim Chris et il gêne la DPI qui est derrière, ou les deux. Ouais, contact entre les deux là, ouais. Fermez la porte monsieur Evrard, attention. Gardez sa ligne. Chris Mathieu Maxima a passé Lionel du coup. Il a profité de cette erreur. Ah bah évidemment. Pour passer, hein, j'ai l'impression. Bah oui. Ouais, Lionel qui descend à la P5. Mauvais début de course pour Lionel, je pense. Oui, oui, oui. Et Théo Badry toujours à la P6. Dawid est maintenant à 10 secondes devant Nicolas Villandeco. meilleur temps de Nicolas en 53.6. Bah oui. Dawid roule en 53.2, donc c'est pas. Voilà, le gap est pas. Plus énorme. Du coup, les petits soucis là de Grim Chris, là, ça a remonté Samir. Ah, une seconde derrière lui. D'accord. Donc ouais, attention. Bon, je pense pas que Grim Chris ait eu des dégâts, hein, mais. Non, je pense pas, c'était petit contact donc. Grim Chris, il a fait son dernier tour en 2-11. Hein. Ah, j'ai une. T'as vu une. J'ai vu une voiture à l'envers là. Ah, c'est qui? Alors, j'ai Ojoine, pas. Tiens, ouais, aussi.